suis lancé un défi de surfer des grosses vagues, si ce n'est la vague la plus emblématique du surf de gros. Je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller surfer de Jaws. On est venu à un moment donné où, dans ma carrière de snowboarder, j'avais arrêté la compétition. Dans le snow, j'avais un peu moins de défis, de choses qui me boostaient vraiment. J'ai découvert le surf de grosses vagues qui m'a attiré. Et je me suis dit, voilà, il y a un nouveau défi, il y a quelque chose qui me branche, c'est vraiment d'aller plus loin dans cette démarche-là. Là, je me suis retrouvé au milieu de tous les meilleurs big wave riders du monde et à partir pour Jaws. On a une heure de bateau pour aller jusqu'au spot. C'est encore plus impressionnant que ce qu'on peut imaginer. Ce qui m'a choqué, c'était le bruit en fait. Le bruit et la puissance de la vague, c'est quelque chose que j'avais jamais eu cette expérience-là. Et c'est vraiment, au moment où je suis arrivé, c'est ce qui m'a fait « Waouh, ah ouais, ok, on y est, quoi. Là, vraiment, c'est autre chose. » Quand j'ai présenté la chose à Koa Rothman, qui est mon pote hawaïen qui m'a un peu accueilli à Hawaï, il s'est demandé si j'étais fou ou s'il y avait un peu de calcul derrière. Jaws, ce qu'elle a de différent, c'est que déjà, c'est la vague par laquelle le surf de grosses vagues s'est développé. Et c'est à partir de cette vague-là que le curseur du niveau, de la taille des vagues qui pouvaient être surfées a été élevé. C'est-à-dire qu'après, ils ont découvert des vagues comme Mavericks, plus tard Nazaré, Bellara. Mais c'est par Jaws que tout est arrivé. L'idée, c'était vraiment de le faire à la rame parce que c'est la manière la plus originale de surfer. Le tow-in, c'est bien, c'est-à-dire que c'est tracté par un jet ski, mais on perd l'essence même du surf. Et c'est vrai que c'est quand même relativement, voire beaucoup plus facile de surfer en tow-in qu'à la rame. J'ai encore envie de découvrir d'autres vagues, et notamment aller découvrir les autres spots de surf de gros, notamment Nazaré, Mavericks. Il y a plein d'autres spots dans le monde, au Maroc, aux Canaries, il y a plein de choses cool. Et j'ai passé plus de temps à surfer l'hiver dernier qu'à faire du snow. Mais là, cet hiver, j'ai envie de passer du temps à la neige aussi. Là, je vais digérer celui-ci, je vais digérer ce projet et je vais commencer à créer les autres bientôt. Mais c'est des projets qui impliqueront toujours la montagne et l'océan, avec des valeurs de voyage, de protection de l'environnement, et des belles images et des belles histoires. Hello The Rider Post, c'est Mathieu Crépel. Chaka, youhou!